Bonjour, ici Rick pour la semaine du 16 octobre. Comme la plupart d'entre vous le savez, le mois d'octobre est consacré à la sensibilisation au cancer du sein, afin de vraiment de favoriser la prise de conscience sur les réalités de cette maladie, l'importance de la recherche, d'accroître le soutien et inciter les gens à porter une attention particulière à la santé de leur sein. Alors, dans ce contexte, nous, chez Hope & Cope, on est très fiers de célébrer, en fait, une de nos anciennes employées, Karen Malkin-Lazarevitz, alors qu'elle continue de faire sa marque sur le monde et sur la vie des femmes. Alors, je vous encouragerais de lire un article assez particulier cette semaine dans la section « Les nouvelles » sur notre site web. Alors que Karen explique un peu son mandat, et un mandat très, très passionnant, où elle, en fait, veut donner la chance aux femmes, les femmes atteintes du cancer du sein, de définir la beauté selon leurs termes, en particulier à travers le tatouage. Alors, elle explique tout simplement que c'est la première fois depuis leur diagnostic que ces femmes contrôlent à 100% leur propre corps. Pensez-y deux minutes. C'est quand même une déclaration assez profonde. Alors, encore une fois, je vous encourage de lire l'article. C'est vraiment formidable et de célébrer cette cause de Karen. Bref, je pense que tous, on connaît quelqu'un parmi nos cercles, parmi nos intimes, qui passe à travers cette lutte. Alors, en ce mois de sensibilisation au cancer du sein, prenons une seconde pour y penser et leur envoyer tous nos pensées positives dans cette lutte. Merci et bonne semaine à vous tous.